Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec ce fameux chat YouTube. Regardez les gars comme ils sont beaux. Salut à tous les gars, bienvenue à tous sur cette vidéo les amis, bienvenue à tous les gens sur YouTube ici. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en temps de mise à jour puisque la mise à jour d'été vient de sortir sur Clash of Clans tout simplement et on va se découvrir tout ça durant cette vidéo les amis. On va acheter des offres, on va se maxer la nouvelle troupe, la chasseuse de tête, bref, il va y avoir plein de choses durant cette vidéo, donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et surtout les amis, n'oubliez pas le code créateur Alex Calimur, comme le dit le frérot ici, Régine Garrick, ou comme le dit Anubis, ou comme le dit Charles, bref, comme le dit tout le monde les amis, n'oubliez pas ce code créateur Alex Calimur qui me soutient énormément, vous avez le lien en description, et nous les amis on est parti, on commence directement. Let's go. Regardez-moi ça là, comme c'est beau là, le code Alex Calibur là. Il est bien spam, c'est ça qu'on veut, ça fait plaisir. Sérieux, trop stylé la nouvelle troupe. Alors moi la nouvelle troupe, je suis archi mitigé. En fait je trouve que c'est une troupe qui est hyper dure à jouer, qui est hyper skillée, et il faut vraiment être trop fort pour la jouer, parce que moi franchement je vois pas trop comment faire. Alors certes c'est utile durant un AQH je trouve, mais en défense aussi ça peut être intéressant. Elle a l'air pas mal du tout, mais bien sûr que ça a l'air pas mal du tout frérot. Il y a tellement de nouvelles choses, il y a une nouvelle troupe, il y a deux nouvelles super troupes, il y a un nouveau système de décor, il y a un nouveau système de guerre amicale et de combat amicaux. Il y a tout qui est trop bien les gars dans cette mise à jour. Franchement c'est pépite, c'est vraiment pépite de chez pépite. J'espère qu'il y aura des décors gratuits. Alors je t'avoue que pour le moment j'ai pas d'informations. Un master, regardez-moi ça. Regardez-moi ce décor comme c'est trop stylé les gars. C'est énervé, on va s'attarder un petit peu sur les détails. Là on a une petite maison et tout. On peut faire des théories les gars, on peut théoriser là sur ces décors. Regardez-moi ça, là on a des petits rails et tout. Là on a regardé le, là qu'on s'appelle, l'arène mécanique qui est en train de se construire ici. Là on a encore les rails et tout. Il y a bon de trucs hein, on peut théoriser de fou. Est-ce que ça, ça pourrait pas être une nouvelle caserne on dirait, avec ici un truc de broyeur on voit. Bref c'est stylé de ouf. Là on a quoi, on a... Ouais c'est bizarre un peu là ce qu'il y a ici. Et on dirait des trucs un peu sauts genre. On dirait on va tous mourir ici. Tac, il y a quoi d'autre? Alors ça, moi je kiffe, regardez-moi cette petite cascade ici là, avec le moulin, les engrenages et tout, c'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Et dites-vous qu'en plus là, encore une fois, c'est que le début, ça veut dire que bientôt, on aura plein de décors, on va avoir des décors de ouf je pense, par la suite. Là aussi on a les sapins qui sont différents, là on a une petite maison, on peut théoriser qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette maison. Est-ce que c'est la maison du mec des jeux de clan ici? Je ne sais pas. Là on a un grand chemin, etc. pour aller potentiellement dans un autre village. Je ne sais pas encore une fois. Là on a une hache, pourquoi il y aurait une hache? Est-ce qu'il n'y aurait pas le bûcheron qui va arriver sur Clash of Clans? Le mec fait des théories de ouf tu sais. Non en vrai voilà, y a rien à mon avis. Mais là qu'est-ce que ça peut être ça aussi? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore là on analyse tout tu vois. Ça aussi c'est stylé, j'avoue que ça c'est hyper stylé. Le petit port pour aller sur la MDO. Là sur le côté il y a des caisses, il y a plein de trucs. C'est... pépite. D'après ma théorie, je suppose qu'il y aura un truc avec le Vivi principal et Vivi ouvrier. On sait pas. Hein. Non, en vrai, il est pas mal ce décor. J'avoue, franchement, je surkiffe, les gars. Je surkiffe. C'est pour ça, les gars, qu'il faut faire péter les pouces bleus. D'ailleurs, regardez-moi ce village de Groudy, qui est magnifique avec tous ses murs de niveau 12, frérot. Franchement, ce beau gosse. Ce beau gosse. Décalé comme ça. Hop, regardez, il y a un petit C là-haut. Vous cliquez ici et là, oh, vous soutenez l'Excalibur. Parfait! Incroyable! Du coup les gars on est parti, let's go, on achète ce pack à 8€. Alors attendez, c'est pas la scène que je voulais mettre. Payer avec Touch ID, on paye avec Touch ID, y a pas de souci. Et on est parti les amis sur ce nouveau décor. Pa. Ok. Votre achat a bien été effectué, je l'ai tellement vu ce message. Je l'ai tellement vu ce message les gars. Regardez, 3, 2, 1, let's go. Notre achat a bien été effectué et on a la nouvelle offre spéciale reçue avec Clash Mécanique qu'on met directement. Regardez ça, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé, pop. Franchement je kiffe. Imaginez les gars après les futurs décors qu'on pourrait avoir. Pour moi c'est une des meilleures choses parce que ça change quelque chose qui a toujours été dans le jeu en fait. Qui a toujours été, enfin ça a toujours été la même chose. Et du coup là ça change, du coup c'est la frappe. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'est magnifique. Franchement, je surkiffe. Cette mise à jour, les gars, c'est de la patate. Même les petits équilibrages, les petits trucs qu'ils ont fait, etc., c'est top. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment. Oh! La caserne noire au niveau 8. Oh! Eh ben, elle passe niveau 9. Oh! Mais on se la termine directement. Mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Regardez même ce qu'on peut se faire. Est-ce que je peux pas m'acheter un petit marteau de combat?
Et regardez, on va faire ça. Marteau de combat directement, on se l'achète. Alors, je sais que c'est pas forcément la meilleure troupe, etc., ce que vous voulez. Mais pour le live, les amis, vous savez quoi? On se l'améliore. Est-ce qu'on se l'améliore maintenant ou pas? Vous savez quoi? On attend. Ah! Ah! Oh, mais l'offre est déjà reçue. L'offre spéciale est déjà reçue. Et du coup, les amis, regardez, on se la met juste là. Let's go! La statue mécanique qui est ici. Mais c'est pas tout, les gars. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir s'améliorer trop de choses. Du coup, on est parti directement dans le laboratoire. Il est où? Il est là. Le laboratoire, on va pouvoir s'améliorer du coup ça. Non, attendez, je m'embrouille. On fait d'abord, on remplit ça. Ok, ça c'est rempli. Let's go, on a 300 000 de blocs. C'est le truc que je ne forme jamais. À chaque fois qu'il y a 300 000 de blocs, c'est parce que j'utilise une rune. Ok, on est parti. Ensuite, on améliore ça directement. On se le up directement encore une fois. Et là les gars, on fait péter le marteau. On fait péter le marteau. Et on a la nouvelle chasseuse au niveau max les gars. On a maxé déjà la nouvelle troupe. Voilà, ça c'est fait, c'est carré. On n'en parle plus, let's go. Full chasseuse de tête. Tu veux vraiment qu'on fasse un full chasseuse de tête? Là tu te dis, c'est une bonne idée. Ok, ok, on va rigoler. On va rigoler, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on fasse un full chasseuse de tête? Retiens bien ta phrase. Retiens bien ton full chasseuse de tête. C'est qui a dit ça? Cindy Gaelink. Cindy Gaelink, on va rigoler ensemble. On va bien rigoler ensemble. Ok, tu veux qu'on fasse un full chasseuse de tête? Y'a pas de souci. Si tu veux, je te mets des sorts de clones avec. Y'a pas de soucis. Tu veux vraiment qu'on fasse un full chasseuse de tête? Ok. Ok. Zéro problème. Zéro problème pour moi. Tu veux voir un full chasseuse de tête? Tu veux voir ce que ça fait? Y'a pas de souci. Regarde. Là, une championne qui est à part. Du coup, elle, paf, on va pouvoir la tuer avec notre chasseuse de tête. Mais il n'y a que elle qu'on va pouvoir tuer. Et encore, il y a une TDE derrière. Regarde, on n'y arrive même pas. Hop là. Voilà, on a tué ça. On ne pourra rien faire d'autre. Ah si, on peut peut-être aller tuer ce roi. C'est tout. Voilà. On ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les héros, là, ils sont trop centrés. La reine, on ne pourra jamais aller la chercher. En plus, il y a l'HDV qui sort. C'est mort. Voilà. Elle est forte, hein, franchement, le fou chasseuse de tête, les gars, c'est pépite, hein. Regardez-moi ça, franchement, c'est énorme. La pire attaque, voilà, j'espère que vous aurez kiffé, les gars, mon fou chasseuse de tête. On aura fait un magnifique score de 0%, allez, bisous. Hey, si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en voir plus, eh bien, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches, là, allez. Je t'attends. T'as également deux autres vidéos sur les côtés et je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alexcalibur.